Je m'appelle Chris Balois, je suis un athlète de kitesurf handisport. Depuis cet été, j'ai le record du monde de vitesse en kite sur le 1000 nautique, donc sur 1852 mètres, valide. Donc c'est une première fois dans le sport qu'un athlète handisport bat un record valide. J'ai toujours concouru avec des athlètes valides et c'est ça qui m'a aussi tiré vers le haut. Et je pense que c'est bien socialement, enfin toute cette partie mixité est vraiment intéressante. C'est pour ça aussi que je suis ici à Saint-Malo pour soutenir le projet de Damien et qui partage voilà, vraiment la même dynamique de naviguer avec des valides et pour montrer les performances des athlètes en situation de handicap parmi les valides. On essaye de montrer l'exemple et on fait en sorte que les choses avancent voilà, par notre pratique. Donc c'est aussi ce que je vais essayer de montrer. Effectivement, on n'a pas de catégorie homme, femme ou valide, handi sur cette route du Rhum. Tout le monde part en même temps sur la même ligne de départ et c'est ce qui est super. C'est ce qui fait la beauté du sport et de la voile en particulier où on est capable d'avoir ces challenges-là. Et en plus d'essayer de réussir des performances sportives, on a un message à passer. On donne aux athlètes handisport la chance de pouvoir créer vraiment l'histoire et avec la dynamique derrière, de partager toute cette mixité et de montrer ce dont on est capable. Et pas se donner trop de limites. Et voilà, c'est vraiment là, c'est la montée la barre très très haut.